Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno. Je vais vous présenter le boîtier de South Park The Complete 24th Season. C'est un titre qui est distribué, comme d'habitude, par Paramount. Cette saison devrait sortir des magasins, pourrait être acheté à partir du 16 août 2022. Je vais commencer tout de suite en parlant... Bon, évidemment, je n'ai pas vu la saison encore, donc je ne vais pas nécessairement parler du contenu. On voit, selon la pochette, probablement que M. Garrison va encore reprendre son rôle de succédané équivalent un petit peu de Donald Trump. Mais cette saison est un peu particulière. Bon, elle a évidemment été tournée dans les circonstances qu'on connaît tous, la pandémie. Et donc, il y a seulement 4 saisons. 4 épisodes, je veux dire, dans la saison. Donc, c'est une saison qui est excessivement courte, ce qui explique peut-être l'emballage très, très, très standard. Je vais juste vous présenter ici, là, j'ai le coffret de la 23e saison. Vous voyez que d'habitude, les saisons de South Park, là, c'est dans des emballages cartonnés. Un petit peu plus luxueux, disons. Là. Mais cette fois-ci, c'est vraiment un boîtier là, d'un disque, là, tout ce qu'il y a de plus classique. Sur la petite étiquette ici qui est en avant, là, vous voyez que c'est indiqué qu'il y a 2 épisodes là-dedans qui devraient être étendus, qui devraient être rallongés par rapport à ce qui a été diffusé à Comedy Central, donc les épisodes de Pandemic Special, qui portent probablement sur la pandémie, je dirais, et South Park U Vaccination Special, qui semble... parler selon le titre sur bon, la vaccination et le complotisme qui vient avec. Probablement que Trey Parker et Matt Stone s'en sont donnés à cœur joie cette fois-ci, donc j'ai quand même très hâte de voir ça, même si c'est seulement 4 épisodes. On voit en arrière ici, on voit que tous les personnages de South Park semblent être malheureusement condamnés à discuter via Zoom, comme beaucoup d'entre nous ont dû le faire au cours des dernières années. Et si on regarde à l'intérieur, ben, on voit qu'il n'y a pas tant de choses à regarder ici. Il y a simplement un seul disque. Donc, encore une fois, je répète, 4 épisodes pour cette saison-ci. Vous voyez que le disque est assez, assez classique. 3 personnages principaux de South Park. Et de l'autre côté ici de la jaquette, il y a donc dans le fond une jaquette réversible. Et il y a un paysage qui présente tous les personnages de la ville de South Park, ainsi que certains autres personnages. D'ailleurs, ceux qui ont suivi l'actualité au cours des dernières années vont reconnaître probablement certaines figures ici, comme ce fameux chaman de QAnon. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Pour le reste, je vais vous partager ma critique bientôt, dès que je vais l'avoir regardée. Mais voilà, c'est une saison qui est un petit peu plus brève. Je pense qu'ils ont été avec ce qu'ils pouvaient faire. J'ai quand même très hâte de la regarder. Je suis certain qu'au niveau de la satire, ça va toujours être aussi pertinent et décapant. Je le répète, cette 24e saison est disponible en magasin le 16 août, distribuée par Paramount. Merci beaucoup.